Bonjour et bienvenue dans l'enfer noir sombre. Ah, et surtout, il paraît que des fois on met des objets dans des tiroirs et on a tendance à les oublier. Je sais pas vraiment de quoi je parle, hein, je vais pas citer de nom, mais il paraît que des fois on oublie un peu des genre des allumettes, des choses comme ça dans des tiroirs. Donc bon, j'ai l'impression que ça arrive un peu trop souvent en ce moment. Mais voilà, en tout cas, bienvenue, bienvenue. Nous sommes repartis pour notre survie du week-end dans le noir absolu. Donc, on va faire un petit résumé. On va faire un petit résumé de ce qu'on a fait. Donc, on était à Milton, on est resté quelques jours à Milton. On a très très bien bossé à Milton. On a monté genre carcasse niveau 3, cuisine niveau 3. Après, on a un peu augmenté tout le reste. Ça s'est très bien passé. Revolver, on a eu des balles. On avait aussi un fusil. Le fusil, on l'a laissé, hein, mais on a pu tirer un peu. On a augmenté ça, raccommodage et tout aussi. Donc, ça s'est très très bien passé. Ça s'est très très bien passé. Et maintenant on est de retour donc au lac Mystère. Parce que bon, on a fait les gros endroits de Milton. Okay, il en reste encore quelques-uns, il reste encore pas mal de petits endroits. Mais c'est vrai qu'on a un peu des problèmes avec genre la chaleur, comme j'avais expliqué. Donc on a fini plus ou moins pour le moment Milton, on reviendra plus tard. Donc on est revenu au lac Mystère. Lac Mystère, on va rester un tout petit moment. Pourquoi? Parce qu'on a décidé la dernière fois, j'avais parlé de ça. Et je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors hop, hop. Donc ce que je voudrais faire maintenant, c'est absolument en fait ces 4 objets, voire même 5. Donc on va faire une paire de moufles. Donc c'est en peau de lapin. On a déjà les peaux, on a les boyaux, donc il faut juste attendre que ça sèche. Pareil pour la chapka, je pense qu'on a assez de fourrure de lapin et de boyaux pour les deux en fait. Donc c'est très très bien. Et après ce que je voudrais faire aussi, c'est alors les bottes en peau de cerf et après le pantalon. Peut-être pantalon x2. Je ne sais pas encore, mais peut-être x2, pour qu'on ait quand même une meilleure résistance au froid. Parce qu'encore une fois, on a vraiment des mauvais vêtements. Enfin voilà quoi. Alors après, ce qu'on pourrait faire même, parce que j'ai pensé à ça aussi, c'est ça. Parce que là, on n'a pas besoin de couteau ou rien. Pareil, c'est une sacoche en peau d'élan. Alors, honnêtement, trouver un élan, bon déjà, c'est un peu la galère. Mais surtout, tuer l'élan, parce qu'on a juste un revolver. On n'a pas pris le fusil sur nous. Maintenant, peut-être que je regrette un peu de ne pas avoir pris le fusil, parce que c'est vrai que sur le coup, j'y ai pas vraiment pensé. Mais on a le revolver. Alors, est-ce que une balle suffit à tuer un élan? Personnellement, je pense pas. Après, est-ce qu'une balle suffit pour le faire saigner et mourir éventuellement? Peut-être, peut-être. Donc on verra ça. En tout cas, on va un peu boire. Et donc voilà, donc dans cet épisode, on va un peu regarder un peu ce qu'il y a autour de Mystery Lake. On va faire les petites cabanes sur... comment ça s'appelle? Sur... Le lac, oui, le lac lui-même. Il y a des maisons, il y a les petites cabanes de pêche et tout ça. Donc on va regarder un peu tout ça. Déjà, on va voir s'il y a le cerf, parce que la dernière fois, il y avait un cerf qui traînait ici. Alors, je vais voir s'il est toujours là. Ok, on a un mauvais temps, enfin un peu sombre. C'est un peu chiant ça. Est-ce qu'on a du bois sur nous? Non, on n'a pas de bois. On va prendre ça. J'ai envie de prendre un charbon, parce qu'on est super léger, on est à 20, même pas 25 kilos. Il y avait un cerf qui était là il n'y a pas longtemps. J'entends strictement rien. J'entends des loups là-bas, très loin. C'est quoi ça là-bas? Ah, là-bas! Par contre, on a froid. Il est là, il est là. Alors, ça serait bien qu'on puisse se le faire. On a froid. Je vais essayer de m'avancer le plus possible. Parce que le revolver est pas très très précis, donc faut essayer vraiment de s'avancer le plus possible. Alors, parfait, il vient de notre... vers nous en plus. Yes! Ah, appelez-moi revolver Ocelot. Ok. je sais. Ah, oh, mon dieu. Très bien.
On va aller se réchauffer parce que j'ai pas trop envie de perdre de la vie pendant qu'on est en train de faire le feu. Ok, on va aller se réchauffer. J'ai des baies à faire et des choses comme ça. Donc on va se réchauffer. Honnêtement, si on arrive à chaque fois à faire ça, genre une balle, un kill, je pense que... Oh la vache, on récupère rien à chaque fois, ouais, c'est à peine 10 degrés. Je pense que... Ouais, on est bien, quoi. On est bien. Donc, assez content. Ouais, d'accord, ok. On va dormir. On va aller dormir une petite heure. De toute façon, elle est pas très fatiguée, donc... Ça va pas vraiment être une heure. Mais ouais, on a du mal avec la chaleur. Donc là, ça nous fait de la viande. Par contre, ouais, on va prendre le fétu sur nous. Ouais. On va essayer de faire de l'eau à l'extérieur aussi. Donc on va faire un feu juste à côté de la carcasse. Donc ça nous fait de la viande et une peau. Donc c'est très très bien. Ok, c'est parfait. Faudrait que je recharge le revolver, mais je vais le faire à l'extérieur, parce que là on voit strictement rien. Un truc qu'on pourrait faire... Oh, 2 heures, d'accord, ok, ça laisse tomber. 2 heures pour casser une chaise. La chaise, tu la prends, tu la prends au bout des bras, tu la fais tomber par terre. N'inquiète pas qu'elle casse, hein. Pas 2 heures. Alors, par contre, on a un peu de problème, c'est qu'il n'y a pas trop de bois. J'ai toujours la scie sur moi. Ouais, j'ai toujours la scie sur moi. Parce que la scie peut être intéressante pour couper, scier du bois. Là il fait combien? Moins 20, c'est beaucoup moins 20. Moins 20 c'est un peu embêtant. On va refaire encore la même chose. Cette fois, je vais pas les oublier, je vais essayer. Okay, très bien. Torche. Oula, non. Oh, faut faire attention à ça, on a des écorces sur nous. Merde, j'avais oublié ça. On a des écorces sur nous, faut surtout faire attention parce que ça, ils ont pas changé. Je l'avais déjà expliqué dans la survie précédente, ou peut-être dans celle-là. C'est quoi ce bruit? On dirait qu'il y a quelque chose qui vient vers moi. Ok, une heure. Je sais pas si c'est suffisant. 6, 7. Honnêtement, je pense pas, mais j'ai pas vraiment envie d'utiliser. D'utiliser un charbon. Il n'y a rien du tout. Ah! Ah, d'accord, il fait... Ah oui, non, il fait encore toujours plus ou moins 7. Quoi. Ouais. On va être obligé de faire charbon. Voilà. Voilà, très bien. Alors on va faire ça. On va le faire ouais, à la scie. Voilà, très bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça se passe tranquille. Alors, pour les fétous et tout ça, tout ce qui est... genre faire cuire la viande dans un fétou, c'est mieux. C'est... je crois que ça diminue un peu le temps, mais pas énormément. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ça double, voire peut-être même triple. J'ai jamais vraiment pris le temps de compter, honnêtement. Le temps que ça met pour brûler. Et ça, c'est super important. Ça, c'est super pratique. Peut-être qu'on peut le faire. Je peux le montrer, peut-être. Genre, on avait vu, là, ça faisait 50 minutes pour faire ça, pour faire un steak. Donc, on va voir avec le fétou après. On va peut-être le faire un peu à la main parce que j'ai pas trop envie d'utiliser trop la scie non plus.
Il va falloir la réparer après. Ok, donc 32 minutes. Vous voyez qu'elle brûlait au bout de 32 minutes et il fallait 50 minutes pour la faire. Donc là, on va montrer. Non, ça, 41 minutes, vous voyez, donc on gagne 10 minutes. Et après, c'est pour brûler. Ça va être beaucoup mieux. Ça va être nettement mieux. Voilà, très bien. Donc regardez, brûler 45 minutes. 45 minutes. Et là, 34 minutes. Vous voyez? Donc, bon, peut-être doubler et tripler, c'était complètement faux, hein, mais c'est pas ça. Mais vous voyez que vous gagnez au moins 20 minutes à chaque fois. Donc ça, c'est bien. Par contre, attendez. Parce que je me suis un peu perdu dans mes steaks. Cru, cru, cuit, cru. 50-50. Très bien. Il reste combien de temps? Une heure encore. J'ai l'impression que le temps est complètement fou en fait. Avec, dans ce mode là, avec la nuit éternelle. J'ai l'impression que c'est complètement fou. Genre, on avait un feu de 2 heures, on a fait déjà 4 secs et il reste encore une heure. Je sais pas ce qui se passe. Donc ouais, je voudrais bien trouver quelques brindilles. C'est toujours utile. Encore, on l'avait fouillé. Donc je crois qu'on avait combien de... On avait combien de pots de serre? Je crois qu'on en avait déjà... Ouais, je crois. Point d'interrogation. Ouais, on va pouvoir faire un pantalon ou des bottes. C'est plutôt bien. Combien de temps avec la scie? 1h30, ouais, c'est trop bien. Après ça c'est 10 minutes. Ouais, mais c'est 10 minutes, c'est la galère les 10 minutes. Il fait froid à chaque fois. Ok, là c'est pas mal. On va en profiter pour faire un peu d'eau parce qu'on n'en a pas du tout. On n'en a pas du tout. Et faut que je recharge mon arme aussi. Donc ouais, si vraiment on arrive à maintenir là ce... Quand on chasse, je parle, hein, vraiment quand on chasse. Si, on arrive à maintenir une balle, un cerf mort, c'est vraiment vraiment top. Après, il faut bien que je fasse attention et que je prenne le temps de viser et surtout de m'approcher de la cible. Parce que je sais que, comparé par exemple au fusil, le revolver est quand même très très peu précis. Le fusil, on va dire que la balle, elle va aller au bon endroit où vous visez en fait, d'une assez grande distance, alors que le revolver, non. Donc ça, c'est un problème. Donc faut faire attention à ça. Oh, doucement. J'avais mis la... La marche automatique, j'ai failli marcher dans le feu. Ah, très bien. Ah oui, un truc qu'on peut faire comme d'habitude, en sécurité, mettre... Hop. Voilà, ça c'est une petite sécurité si jamais on a froid. Ah, très bien, 3 heures. Donc 40 minutes, 40 minutes. 36 minutes. Ah, ça c'est bien aussi, parce qu'on est niveau 3 maintenant. Ah, donc c'est plus simple. Ah, voilà. Si, oh, si ça pouvait toujours être comme ça. Regardez. Regardez. Là c'est super clair, là, le temps. Oh, ça serait tellement bien. On va aller poser la peau. Ah, ça serait vraiment, vraiment bien que ça soit tout le temps éclairé comme ça par la lune. Ce serait vraiment cool. Parce que je sais que j'ai eu pas des remarques, mais des on va dire des informations par rapport à certaines personnes en disant que... alors c'est vrai que le fait d'avoir genre augmenté gamma et tout, je vais vous épargner les détails, ok. Mais en gros, avoir édité la vidéo et tout ça, c'est beaucoup mieux pour voir dans les endroits un peu sombres et tout. Aussi, augmenter la qualité aide énormément aussi. Genre on est en 4K, si vous pouvez, vous regardez en 4K, faites-le. Mais après j'ai eu des personnes me disant que ça marchait très bien, puis après quand je vais genre
sur ma tablette, c'est trop sombre et tout. Donc ça dépend énormément aussi des... d'où vous le regardez, genre sur un écran, quel type d'écran et tout ça. Donc c'est un peu embêtant. Mais j'essaye vraiment de faire au mieux, mais j'avoue que ça reste quand même un peu... Voilà quoi, c'est un peu chiant. Enfin pour moi, hein, je parle de... Parce que moi je veux pas faire des vidéos complètement noires. Hein. C'est pas mon but. C'est pas mon but. Donc ça m'embête un peu, mais j'essaye au meilleur. Mais ça serait bien que le temps soit toujours comme ça en fait. Ça m'aiderait énormément que ça soit toujours comme ça. Voilà, très bien. Attends, on va faire un steak. Un boyau. Cuit. Attends, on va te manger. Très bien. Un truc aussi. Getting a bit thirsty. Ouais, ça. Ce que vous pouvez faire, c'est ne pas tout prendre en fait sur une carcasse, genre près de votre camp par exemple. Vous tuez quelque chose et vous le laissez avec un peu de viande et tout ça. Comme ça, pendant plusieurs jours, en fait, les corbeaux vont venir et vont vous lâcher des plumes. Ça aussi, c'est pas mal à faire. Là, on va tout prendre parce que... parce qu'on a faim, ok. On a faim et on a besoin de tout le matériel, c'est pour ça qu'on fait. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est une bonne chose à savoir. On va prendre ça, par contre... 36 minutes. Oui, non, ça devrait passer, on devrait pas perdre l'eau. Je pense pas. Ouais, eau potable, ouais, c'est bon. C'est parfait. On va cuire ça. 12 minutes, voilà. Donc là, on est vide. On va poser les boyaux directement. On est juste à côté, autant le faire. Et comme j'ai dit, à chaque fois, on peut sprinter. Donc honnêtement, c'est pas vraiment grave. Donc, c'est simple. Parce que normalement, dans ces cas-là, on devrait pas le faire. Pas sprinter comme ça, juste pour aller déposer deux trucs. Mais là, encore une fois... On se permet. On se permet de le faire. Alors, ce que je voudrais voir... C'est bête que le feu soit pas proche d'un bout de bois, genre d'un rondin de bois. Que sinon je l'aurais scié. Un truc qu'on doit faire aussi, parce que je parlais de la scie. La scie, on en a qu'une seule, si je dis pas de bêtises. Ouais, non, il n'y a pas de brindilles. On en a qu'une seule. Et... il va falloir la réparer. Et on a des caisses pour la réparer. Je crois qu'on en a deux, en fait. Donc on peut le faire. Mais il nous faut des morceaux de métal. Et ça, je crois pas trop qu'on en ait. Peut-être un ou deux qui doit traîner. Faudrait que je regarde. Ah non, il y a du vent. On est bon là ou pas? Ah non, ça va. Ok, ça c'est fini. Donc, du coup, ça serait bien de... Ah, j'espère que le... J'espère que ça va être bon. Pour l'instant, ça a l'air d'être bon. Ah. On va voir. Donc, ouais. Donc, il faudrait garder, par exemple, un peu de... Ouais, merde. Fait chier. Ah, c'est embêtant ça. Ah, le vent a tourné. Il a retourné, saloperie. Bon, gardez des pourcentages de la scie pour aller scier en fait des trucs en métaux comme ça. Enfin en métal, comme ça on récupère des morceaux de métal, de métaux, pour pouvoir réparer la scie, vous voyez. C'est un cercle. C'est quoi là-bas qui bouge? Je peux voir des trucs bouger là-bas. Euh...
J'ai une idée. Vraiment, on n'a pas de mètre de bout de bois. Come on, little fire. Oh, d'accord. Ah, le feu a bougé. Là, on est en train de s'amuser avec le feu. J'essaye de le faire durer pour faire cuire les raichi et tout ça. Ah, il a encore bougé. Oh mon dieu, c'est horrible. Ah, c'est embêtant ça. Très embêtant. Ça nous fait augmenter la cuisine, c'est pour ça. Ça nous fait augmenter la cuisine, c'est toujours bien ça. Mais on n'a pas vraiment d'eau, hein. Faut vraiment après dans 7 minutes, 5 minutes. Ah, attends, j'ai ça. Alors une chose que vous pouvez faire aussi pour un peu forcer le la montée du niveau du feu, c'est que vous pouvez faire un feu principal comme ça. Prendre une torche, l'allumer, faire un autre feu à côté, attendre qu'il meure, re-allumer votre torche avec le feu principal et re-aller allumer un deuxième feu. Je l'avais fait dans une des saisons, ça. Pour un peu... Enfin, je crois que c'était pour finir le niveau 5, pour avoir niveau 5, rapidement. Y a plein de petites choses que vous pouvez faire comme ça. Alors c'est pas tricher, hein, parce que vous consommez des ressources, hein, à chaque fois il faut des brindilles et tout ça. Donc il en faut un paquet quand même. Ok, bon, on a de l'eau non potable, c'est déjà bien. Donc ouais, c'est pas comme si vous étiez en train de tricher ou quoi que ce soit. Mais ouais, il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez faire pour un peu augmenter vos niveaux assez vite. On va voir si je peux pas récupérer un peu plus de brindilles. On a une grotte aussi que je voudrais aller voir. Qui est proche de chez nous. On va voir. Je pense que là, bon, je vais attendre que le feu s'éteigne au final. Après, on va tout prendre, on va mettre tout à la maison. On va voir si on doit dormir ou pas. Peut-être qu'on dort une heure juste pour se mettre d'aplomb. Et après, on va aller sur le lac. Je crois qu'il y a des loups là-bas. Hein. Là-bas, on voit un truc qui bouge. Je crois qu'il y a des loups. Hein. Ouais, 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 c'est un loup ça qui bouge. Ouais, 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 ouais. Ouais, let's go. C'est bien un loup. Après, je crois qu'on avait tout jeté. Genre boyaux et tout ça, je crois qu'on est bon. Ok, on a gagné des plumes. On a 12 allumettes. Très bien. On a encore ça, on en a encore 8. Très bien. Ouais, on est encore bon. On est à 28. Faudrait déposer du tissu. Je vais dormir une heure pour me réchauffer surtout. Attendez. Table. Non, le lit il est là. Voilà, là. Ça. Non, pas ça. Ça. Très bien.
On va en garder 10 sur nous. 10, ça permet de faire un igloo, en fait. C'est pour ça. Je crois que, si je me rappelle bien, c'est... Quoique c'est peut-être même 5 tissus et 15 bâtons, je crois, pour faire un igloo. Quelque chose comme ça. Mais bon, moi, j'en garde toujours 10 sur moi. Donc, on a encore 35 balles. Très bien. On va garder les deux. De toute façon, on n'est pas très, très lourd. La douille, pour l'instant, on la garde. Parce que je sais pas vraiment où on, où on les a mises, les autres, si on en avait. Le vent s'est calmé, évidemment. Le vent, il a dit, oh, je vais me lever juste pour éteindre ton feu. Et une fois que ton feu sera éteint, je m'en vais. Et voilà. C'est toujours ça dans le jeu. Allez, c'est parti. Donc on va garder l'eau là, non propre. Non potable, pas pour la boire, parce que sinon on va être malade. Est-ce que ça le dit? Ouais, vous rend malade, mais ça dit pas quoi. Ça vous donne des... Je crois, c'est quoi une infection. Je crois que l'infection... vous fait baisser en vie petit à petit, je crois bien. Si vous prenez pas des antibiotiques directement, je crois. Ouais, c'est très dangereux de faire ça. En tout cas. Donc on a des steaks, on a un peu d'eau, et quand on aura le temps, on va refaire du feu. Ok, let's go. On va refaire du feu pour faire un peu plus d'eau. Et super, on voit rien, ok. Bon, pas grave. Pas grave, pas grave. Voilà, on va faire les petits bâtiments. Oh mon dieu, je vois rien du tout. Alors normalement à gauche des fois où il y a des loups, il y a des cerfs. Sur le lac des fois il y a des groupes de loups aussi, des meutes de loups. Là je vois pas grand chose qui bouge. Non, je vois rien du tout. Ah ok. Honnêtement, je vois, mais je vais allumer la lampe juste un peu pour vous et pour être sûr. Ok. Faut pas exagérer non plus, parce que c'est vrai que là c'est vraiment un temps pourri quand même. Prendre charbon, très bien. Ok, deuxième. J'ai entendu des cris de loup sur la gauche. J'ai vu qu'il y a le cadavre. Pas mal. On va aller dans les maisons qui sont pas très loin. Pour se réchauffer. Oui, c'est bon, c'est bon. Oh mon dieu, quoi. J'ai compris. Des charbons. Alors un truc avec le... Elles sont où les maisons? Oh, il y a des cerfs. Ah, elles sont là les maisons. Oh super, il y a les... Sur la droite, il y a des cerfs. Il y en a un, deux... Un, deux... Pas mal, pas mal. Ouh, on pourrait les... Moins 19. Moins 19, c'est pas mal. On pourrait les pousser vers les hauteurs, là. Et en chasser un autre. Ouais, ouais, ouais. On va peut-être faire ça. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir un peu comment ça se présente. Ok. C'est peut-être une bonne idée, ça. Oui, sort la lampe. Non. Hop là. Ouais. Est-ce qu'on essaye d'en rechasser un? C'est vrai qu'on a eu un peu de chance en tuant le premier là en une fois. Est-ce que...
Est-ce qu'on retente ou pas? Oups, c'est pour moi. Ok, alors je vais éteindre la lampe pour éviter de trop l'utiliser. On va faire ça. Très bien, je vais voir un peu. Ça, on peut le manger. Nickel. Très très bien. On a des gants comme ça. Fais voir un peu. Ouais, normalement c'est. Ça c'est résistant, je crois, en défense surtout. Ouais. Mais après, tout ce qui est étanchéité et résistance au vent, c'est pas top. Peut-être la résistance au vent, elle est ok. Elle doit être à 0,5 peut-être quand il est à 100%. Mais on va pas le mettre. Par contre, recycler, ça donne du cuir. À la limite, on pourrait le faire maintenant. On va les garder pour le moment. On va les garder. Mais ouais, on peut... On peut faire ça. J'ai vu qu'il y avait des petites caisses. J'ai envie de casser les petites caisses. Je sais plus où elles sont. Elles sont là. Genre pour avoir du bois en fait. On va faire la petite maison qui est à côté. Il y avait encore une caisse. Je sais plus où elle est. Table non. Chaise 45 minutes. Pile de papier. On va dormir. On va aller chasser, on va essayer de le chasser. Ok. Hop. Pas trop parce que sinon on utilisera l'été si jamais on a besoin. Mais ouais, on va essayer de... On va essayer de faire le cerf. Après la deuxième maison, je pense. On va d'abord faire la deuxième maison, pardon. Alors. Ok, là il y a du potentiel. Il y a du potentiel, mais apparemment, on n'a pas de chance. Qu'est-ce qu'on fait encore? On va peut-être faire encore une petite heure. Comme j'ai dit, on en abuse un peu, le fait de dormir, mais ça nous remet un peu d'aplomb, remet un peu de vie et tout ça facilement. Et surtout, ça nous permet d'économiser des calories en fait, c'est surtout ça aussi. Petite heure. Voilà, très bien. Maintenant, on chasse. Ok, let's go. Maintenant, chasse. J'espère que le temps s'est un peu amélioré. Ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Fait toujours pareil, moins 19, c'est très bien. On a aussi des massettes à prendre parce qu'on les, on n'est pas venu les prendre en fait. Donc on a sûrement des massettes un peu partout. Alors je vais essayer de les pousser là-bas. D'accord, ok. Bah oui, ça c'est pas si mal au final. On va te poursuivre. C'est parfait. Oh, tu vas être Nathan. Est-ce que tu peux... Non, pas sur la glace. Pas sur la glace. Pas sur la glace. Je voulais que t'ailles là-bas. Oh, aïe, 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 aïe. Il est où l'autre? Ah, il est là-bas. Il est en plus. Ils font chier. Je voulais vraiment pas qu'il aille sur la glace. C'est exposé. Bon, d'accord. Merde, j'ai compris. Ça va, c'est bon.
J'ai compris, on va faire un feu en plein milieu de la glace. Comme ça, si jamais il y a un peu de vent qui se lève, on l'a dans les fesses. Ok, ça va, j'ai compris. C'est bon. C'est bon. Mon dieu, le truc, quoi. On va pas te courir après pendant 5 ans non plus. Là-bas aussi, on a encore des maisons. Par à droite. Ok, vas-y, ramène tes fesses. Très bien. 3, 5. C'est pas assez. Pourquoi il y a des plumes? Ah oh. J'avais pas vu. Okay, très bien. On va regarder s'il n'y a pas des... Oui, ça va, j'ai compris que t'avais froid. On va regarder s'il n'y a pas des trucs à casser à l'intérieur pour se réchauffer. On lui a bien mis hein, la balle. Hein. En plus, il allait en plein devant. C'est pour ça que je me suis bien mis genre pile devant lui, dans l'axe, pour que la balle aille directement bien dans la tête. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment que le truc s'approche au maximum et que vous baissiez. Parce que sinon, ça, la balle, elle va partir à l'ouest. Donc ça se passe bien. Là, je suis content. Là. Niveau revolver, ça se passe bien. Oh, il faut faire attention aussi au pourcentage du revolver. C'est vrai que j'ai pas regardé. Parce qu'il était à 70, il doit être un peu moins maintenant. Il n'y a rien du tout, quoi. Ah, ouais, non, il n'y a rien du tout. On va prendre ça. Ah, on a un seau. 15 minutes pour une ferraille. J'ai rien dit, j'avais oublié ce détail. Même pour ça, en fait, on va avoir des problèmes. Même pour scier, en fait. Oh la vache, j'avais pas pensé à ça, c'est vrai. Ouais. On va devoir faire une pause. Pause pêche, hein. Sans déconner, hein. Après, il y a des gens qui m'ont déjà dit. Mais j'en avais déjà parlé hein, avant. Donc j'avais expliqué. Que normalement, avec les aurores boréales. On peut tout faire en fait, on peut casser, scier, crafter, tout ça. Donc en gros ça va être un peu le challenge aussi, de devoir genre tout récupérer en avance. Et le faire quand on a donc une aurore boréale. Oh, une note. C'est cool. Une aurore boréale. Mais c'est vrai qu'elles sont pas extrêmement nombreuses non plus. J'avoue, ce qui est un peu étrange. Je trouve. Donc, ouais. Je sens qu'on va être obligé de pêcher un max pour récupérer du carburant pour la lampe. Et on va devoir crafter avec la lampe à côté. Je crois. Ou alors... Ah, après, je dis la lampe. Oui. Mais aussi ce qu'on peut faire, parce qu'on a des... Par exemple... Oh, je veux ça. Genre par exemple, un truc bon à savoir. Dans la cabane où on reste là, au lac Mystère. Si vous faites un feu en haut, parce qu'il y a un feu en haut, à côté des lits. Ça va être assez suffisant en fait pour éclairer l'établi qui est en dessous en fait. Qui est au premier étage, enfin au rez-de-chaussée plutôt. Donc ça on peut le faire par exemple. Ça on peut mettre un feu de genre 3 jours et puis crafter en fait constamment. Ça on peut. Donc il y a des endroits comme ça, mais par contre, évidemment, ça revient à vraiment connaître le jeu. Hein. C'est vraiment connaître les emplacements du jeu et tout ça. Mais voilà, on peut se débrouiller même sans la lampe. Donc ça, c'est bon à savoir. Ça, il faut vraiment garder ça en tête. On va dormir une heure. Alors, c'est parti.
Attendez. On a 4, 6 et un charbon. Je pense pas que le charbon. Je voudrais en fait ne pas avoir besoin du charbon. Ça devrait être bon pour tout faire. Pour faire la viande et peut-être un peu d'eau. Dernier regard. Pas de morceaux de bois. Ici. Ah, et pendant que ça cuit, on va se réchauffer à côté, évidemment. Et pendant que ça cuit, on va aller là-bas, genre on va regarder un peu à droite, à gauche. Ah, il est là-bas. Comme ça, on va essayer de finir le lac pour cet épisode. Comme ça, on pourra aller autre part après. Ça, je pense que c'est pas mal. Bon, j'espère vraiment. S'il vous plaît, pas devant. Je vous en supplie, pas devant. En plus, il fait pas très froid, donc... Donc honnêtement, ce serait cool. Quand je dis qu'il fait pas très froid, que ça augmente. On est aussi en train d'utiliser pas mal de... Enfin, non. J'allais dire on est en train d'utiliser pas mal d'allumettes, mais au final non. Honnêtement, on joue très bien. On joue très bien et on fait attention, donc ça va. Okay, 2h30, c'est très bien. On devrait avoir assez chaud. Ok, on va refaire le même système. Tac, tac. Le temps que ça chauffe. Voilà, 17. Ah, c'est bon, on a chaud. Voilà, deux steaks directement. Très bien. Il a eu peur du feu. On lui a mis deux balles, hein. On est positif que les deux balles ont touché. Est-ce qu'on est positif? J'ai besoin d'une personne qui me dit on est positif d'avoir touché deux balles. Peut-être j'aurais dû lui en mettre trois, j'aurais dû en mettre plus. Mais quelle galère. Ah, c'est chiant que ça soit un ours, parce que l'ours on peut pas vraiment le manger. Bon, le coup des... Là, les boyaux par contre, on risque rien. Là, on en aura plein, mais... Bon, la bonne nouvelle, c'est que on a les traces de sang pour le moment. Elles vont sûrement disparaître dans pas longtemps. Le truc, c'est que là-bas, il y a rien. Là-bas, là, tout ça derrière, c'est cul-de-sac. C'est cul-de-sac, donc... Oh, putain, ton... Va pas marcher dans le feu, bordel de merde. C'est fort en émotion aujourd'hui. Donc si on le voit pas passer à droite ou passer à gauche, c'est qu'il est toujours là-bas. Il est toujours là. Donc on va voir. Bon. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Vous voyez pourquoi je me suis baissé aussi?
Parce que du coup il nous a flairé, mais en fait il nous a pas attaqué directement parce qu'il nous avait pas pas trop détecté. Il y a un truc qui bouge là-bas aussi. Il nous avait pas trop détecté. Donc voilà, toujours se baisser. Hein. Toujours se baisser. Et encore à chaque fois je dis de cuire des choses. Quand vous faites à manger, genre faites à manger avec votre arme sortie. Je l'ai pas fait cette fois. Bon après c'est parce qu'on a... On a un revolver, donc c'est facile, vous le sortez, vous visez, vous tirez. Alors que l'arc, il faut bander l'arc et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Mais ouais, toujours avoir une arme sortie quand même. On va refaire ça. Ah, faites des steaks de 1 kg aussi, ça aide pour le transport, toujours. Okay, j'attends que ça finisse, et quand je remettrai de l'eau et le steak, parce que là on a un steak en avance, du coup ce que je vais faire, eau et steak en fait. Je vois rien qui bouge. Donc c'est possible qu'il soit mort, je sais pas en fait la puissance du saignement du revolver. Ok, eau potable, très bien. Ok, très bien, je sais. Voilà, parfait. Je vais pas beaucoup parler parce qu'il faut que j'entende. Zéro trace. Faut regarder s'il y a du... S'il y a... des corbeaux. On va monter là. Est-ce que je peux monter sur le deuxième rocher ou pas? Winnie! Ou alors peut-être qu'il était vraiment sur la bordure extrême en hauteur et on l'a pas vu repasser. Mais je suis sûr qu'il est pas allé vers de ce côté-là. Je pense qu'il est allé vers ici en fait. Je suis pas trop sûr. Mais j'avoue que ça serait bien de le trouver. Ah merde, ma froid. Oh! C'est pas ça, là? Non, c'est un rocher, ça. Là, devant moi, là. C'est un rocher. Très bien, on va reprendre un steak. Ça là, c'est pas lui. Non, je crois que c'est trop gros pour que ce soit lui.
10 minutes. On va attendre 10 minutes. Hop là. Ok, non potable, 50 minutes. Très bien. On va se reconcentrer. D'abord, on va se concentrer sur ce qu'on doit faire. L'ours n'était pas prévu. L'ours n'était pas prévu. Donc, d'abord ça. Quand même voir si c'est pas lui. L'eau là-bas. Si c'est lui! Ça va, Winnie? Putain, je vais rebaptiser mon... Je vais rebaptiser Maëly en revolver au slot. Sérieux. je crois que... Ouais, non, deux balles. Hein. Deux balles. Bon, après, on a fait passer le temps pour cuire et tout ça. Je crois qu'on a fait passer au moins 2 heures dans le jeu, je parle. Ouais, je pense. Donc du coup, il est mort de saignement. Il y a pas un loup là-bas encore? Non. Là-bas, il y en a un par contre. Faut faire attention. Bon, on a un problème. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ours? Ouais, la question c'est, on fait quoi avec l'ours? C'était pas prévu. La peau, alors la peau ça serait utile, parce que en fait la peau elle est extrêmement longue à sécher. Donc ça serait utile. Après la viande honnêtement c'est pas utile, parce qu'on va pas pouvoir la manger. Par contre, c'est vrai qu'on va avoir énormément de viande. Donc du coup, on pourrait dans un sens la faire cuire pour monter de niveau. Mais honnêtement je le ferais si on était genre à... au niveau 4,5. Vous voyez, 4,5. Parce que 3,5, ça va pas, ça va peut-être nous donner le niveau 4 avec toute la viande qu'on va faire cuire. Mais en rien, on va jamais être à 5. Donc on va pas pouvoir vraiment la consommer, la viande. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça sert pas des masses. Hein. C'est bon. Il a combien de pourcentage le revolver? 75, très bien. Il faut qu'on prenne la peau. What? Bah merde alors. On a perdu un steak? Oh wow, ok. Alors un truc qu'on pourrait faire... peut-être aller le découper. Ça fera... Putain, oh mon dieu. Un, deux... Un, deux loups. Peut-être aller le découper, l'ours. Comme ça, ça fait directement tomber. Ou alors récupérer juste la peau à la limite, j'ai envie de dire. Récupérer juste la peau. Ça fait du gâchis, non? Enfin, j'en sais rien. Non, ouais, il nous faut la peau. Il nous faut absolument la peau. Est-ce qu'on va le faire maintenant? Je pense pas qu'on va le faire maintenant. Je vais y réfléchir. Honnêtement, quand il y a des choses comme ça qui se passent dans la... Il y a aussi une maison là-bas aussi à prendre. Dans la survie, je préfère prendre un peu de temps à réfléchir. Donc là, déjà, faut penser qu'on a des loups ici. C'est dangereux. On a le loup là-bas. L'ours là-bas. Bon, toi, t'es presque fini. C'est bon.
Merde. Oh putain, encore heureux que c'était du potable. Oh la vache, je fais n'importe quoi. Encore heureux que c'était de l'eau potable, j'ai pas fait attention. C'est pas... J'ai pressé la mauvaise touche. On a encore une heure. Ouais non, attends, ça va pas être bon. Oh là là, quel carnage. L'eau potable, ouais, très bien. Du coup, on va faire ça. Et on va faire ça. Voilà. On va tout prendre. Non, on va peut-être tout laisser là. On va aller peut-être dormir dans un... On est à combien? On est à 30 kilos. On va peut-être aller dormir dans une des maisons. Genre une maison ici. Et on va voir ce qu'on fait après. Donc on a deux boyaux, on a la peau. On a ça en steak. On a ça qui est bientôt fini. Attendez, hop. Ça aussi, bientôt fini. Très bien. On a encore quoi? 30 minutes. On peut faire ça. Autant tout prendre, comme j'ai dit. Très bien. 42 minutes, qu'est-ce que c'est long. Très bien. Faut pas perdre le peu de temps qu'on est, autant le faire. Donc on va faire ça. Okay. Les loups ont pas l'air de vouloir bouger de là-bas, donc ça c'est bien pour nous. Ça, c'est bon signe. Après, est-ce qu'on a du feu? Enfin, est-ce qu'on a du bois surtout? On a ça et ça. Ça, il nous faudrait au moins, je dirais 2 heures. Je crois que pour couper la, pour cisailler la carcasse là, en sac et tout ça, il nous faudrait 2 heures. Alors après, ce qu'on peut faire, c'est juste prendre la peau. Je pense que je vais juste prendre la peau personnellement. Et le reste, bah, ça sera gâché. Enfin, il y a plein de boyaux et tout aussi à prendre, mais. Mais bon, les boyaux, on en a déjà plein. On va voir. On va voir. À la limite, ouais. Peut-être la couper, comme ça on récupère la peau et les boyaux. Par contre, ouais, ça m'embête. C'est les loups, là. Ouais, ça m'embête. Les loups m'embêtent. Il n'y a rien. Très bien. On est parfait. Ah, ça aurait été bien que ça soit un cerf. Ah, après, je sais où... un élan, pardon. Je sais où on pourrait trouver un élan. Donc, on va peut-être tenter. Vu que le revolver, en fait, est quand même très puissant, hein, je veux pas dire. Hein. Je surestime, en fait... non, je sous-estime, pardon, le revolver. Mais au final, non. Hein, il fait très très bien le boulot. Hein. Ce serait bien qu'on passe niveau 2, ouais. Mais il fait super bien le boulot. Je veux pas dire. Hein. Faudrait que je prenne l'habitude aussi d'essayer de voir si on peut pas caser 1 ou 2 heures de lecture pendant que ça cuit avec le livre genre revolver ou couture ou feu. Ça serait bien. Très bien. Ou alors on rentre à la maison.
On va peut-être rentrer à la maison en fait. De toute façon, l'ours il va être gelé maintenant. Ouais, non, on va être trop lourd en fait. Ouais, non, 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 non. On va être trop lourd. Allez, on y va, on s'en va. Ok, on a déjà été flairé. Vous avez vu les yeux qui brillent? Ouais, on a déjà été flairé. Ok, c'est bon, on se casse. Ouais, il va exactement où on était. Ouais, ce que j'ai pensé à ça, parce qu'ils sont quand même... Ils sont pas très très loin non plus. Donc je me suis dit, si je transporte toute la barbaque et tout ça, c'est obligé qu'ils nous flairent à un moment. Et ouais, ça a pas manqué. Le moment où j'ai tout pris... Ouais, il y a même le deuxième qui y va. Enfin, ouais. Le moment où j'ai tout pris, l'autre il a senti quoi. Je prends ça pour surtout les têtes de ma set en fait. Pour faire du feu. Et il nous faut du bois. Faut qu'on récupère du bois. Donc faut qu'on y retourne avec plein de bois et on découpe l'ours. Bah c'est impressionnant, c'est impressionnant. Je suis très content en fait que ça se passe comme ça là. Donc vous voyez, hein, si vous faites un feu, vous vous baissez, l'ours arrive parce qu'il vous flaire un peu mais il va pas vous foncer dessus et tout ça. On lui a mis une balle, donc ça l'a excité, il nous a foncé dessus. Mais il s'est arrêté parce qu'il y avait un gros feu en plein devant lui. Et on a pu lui mettre une deuxième balle. Et après il est mort de saignement, tout simplement. Donc c'est très bien. Je crois qu'on a encore une trentaine de balles en réserve. On a le revolver. Ben en plus on a un temps de merde, c'est bien. On a le revolver qui est chargé au max. On va déposer ça. Celui-là. Ah, très bien. On a le revolver qui est chargé au max. On a... bientôt niveau 2. Bientôt niveau 2. On a récupéré encore de la nourriture. On a récupéré... la peau. Très bien. Le jerrycan, je l'avais posé tout à l'heure, non? Attendez. Je crois que je l'avais posé juste devant la porte. Non? Ah, ça m'embête. Ah, il est là. Séché. Il y a du séché. Il y a du séché. Là, il y a plein de peaux. Ok, c'est très bien. Ouais. J'ai envie de poser un peu de l'eau par terre, mais putain, on va rien voir, quoi. Ouais, très bien. Bon, bah c'était une très agréablement surpris de ce qui s'est passé au final. Très très agréablement surpris. Donc on a eu quoi? Deux cerfs. On a eu de la viande. Donc on a de la viande de côté. On a tué un ours. Donc on va pouvoir récupérer la peau, c'est important. Avec la peau, honnêtement, on va la garder de toute façon. C'est pas pressé. Mais on pourra donc faire ou le manteau, mais il nous en faut une deuxième du coup. Ou alors le sac de couchage. Ah, le sac de couchage, il faut quoi? Ah, il faut quand même... Ouais, vu que c'est un gros objet rare, en fait, un item rare. Ah, il nous faut deux fourrures aussi? Je pensais que c'était qu'une seule. Ils ont changé ça ou pas? Je me rappelle plus, peut-être. C'est aussi deux. Mais du coup, ouais. Il nous faut... Bah du coup, on peut rien faire, en fait. Voilà, bah.
J'allais dire, peut-être qu'on va faire le sac de couchage, mais au final, bah non, parce que déjà, il nous faut les outils. Puis au final, il nous faut deux peaux. J'étais persuadé que c'était qu'une seule, mais non. Donc, bah voilà. On va prendre la peau et on va la garder de côté. C'est tout, tout simplement. Non, c'est pas ça que je vais faire. C'est ravitaillé. Et on va être à court de fuel. Ah, j'aurais dû garder le jerrycan quand on va faire, quand on va cuire des poissons. Ah, fait chier, c'est pas grave. Comme ça, ça va tout dans le jerrycan et comme ça, ça évite d'avoir des petites boîtes là. Chiant. Enfin bref, c'est pas grave. C'est du pareil au même, honnêtement. Bon voilà, on va dormir, on va se remettre full vie, full tout plein. Se reposer au max, full vie. Et ouais, la prochaine fois, on va voir le l'ours. Et on va voir si on peut pas, genre, monter notre pistolet niveau 2 ou un truc comme ça. C'est cool, je suis content. Très très bon épisode. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.